Bonjour, frère Maxime, comment nous? C'est JFL Cuisine Créole, j'en fais dans lundi. Votre chef à la maison qui est entré là, nous m'a dit nous merci, merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci pour bouche à l'oreille que nous fait pour moi. Jodi à la m'bral préparer pour nous un petit pâté de yam avec garniture d'arançon. Pour commencer, même gen yam jaune ça, moi te lave là, moi mette le dans de l'eau pour pas noircir. Une fois que moi retire le dans de l'eau, qu'on a moi pour grager le. Mais on grage là, il y a quatre parties. Ces parties qui ont tout ça, je vais l'utiliser. Je vais grager. Une fois que je bien gragé, je vais mettre deux graines d'œufs entiers là-dedans. Je vais mettre une petite cuillère de paprika. Je vais mettre une petite cuillère de oignon en poudre. Je vais mettre une petite cuillère de l'ail en poudre. Moi mettez sel et moi mettez poivre. Moi te gagné 4 tasses de yam gragé. Moi vini avec un quart de tasse de farine, moi parsemé partout. Une fois que mettez tout ingrédient ça, qu'on a la m'a brassé œufs avec tout ingrédient là-dedans. Ménage moi fin bien fait. Qu'on y a là, moi gagne ça qui va le faire pâté à qu'on a là, moi le préparer garniture d'arançois qui vient là-dedans. Pour me faire petit garniture d'arançois, regardez, moi venir avec arançois là qui est en bien dessalé et puis haché en petit morceau, moi déposer là. Ça c'est un petit oignon vert, donc on va mettre persil. Ça c'est poivron rouge, moi faire en brunoise. Oignon en brunoise, oignon jaune en brunoise. Ça c'est un petit piment bouc moi fait en brunoise, moi quitter quelques graines là-dedans tout parce que pour qu'il y ait un petit goût piquant à l'intérieur de yam. Moi mettez poivre. C'est seulement ça, moi va le brasser ensemble. Ou après maquille, moi va mettre sel là-dedans. N'importe garniture à faire avec un arançon qui salé déjà, mais l'autre trempel pendant que vous va laver pour détremper retirer sel là. Fais en sorte que vous quittez un petit sel là-dedans qui vous baille tout petit légume pour le mettre au goût. D'accord? C'est juste ça. Qu'on a là, nous allons commencer à faire pâté pour nous. Pour moi, faire pâté, même venir avec papier salade dans la déposer une cuillère comme ça qui vous donne une rondelle. Bien arrangé, tu as fait. Une fois que je fais une petite rondelle, ça. Je viens avec garniture là qu'on a bien arrangé là-dedans. Je vais arranger tout sous côté déjà parce que nous allons voir qui ça l'a fait. Je vais remarquer, je vais arranger de façon qui était tout sous côté bien vide et puis mettre l'autre côté à plus. Quand on prend le plastique là, je vais lever le, je vais déposer par-dessus. Qu'on a là, je vais peser le. N'a pas trop fort là. Je pèse comme si c'était un pâteau à faire pour des vrais. Avec une pâte farine. Bien arrangé, et voilà. Et voilà, mes pâtés, c'est fait. Je vais mettre l'huile moins chaud, pas trop chaud. Je vais mettre le four moins à 3,5-4. Et comme ça, je vais lever avec ce spatule et je vais déposer dans l'huile là, nous allons voir. Moi, vini. Moi passer spatule là en bas li, moi tout lever li. Qu'on a mis l'huile là, moi mettre là-dedans. Moi pas mettre un gros difé en bas pour qui ça? Pour qu'a bien prendre sans li pour le cuire tranquillement. Qu'on a la côté li la foum là à 5 là. On quitte là on après comment on va venir colorer. Vous remarquez de temps en temps ma virer lui. C'est parce que moi pas avec un côté qui plus coloré que l'autre. Moi pas mettre en pile d'ife tout parce que yam très consistant. Si je mets en pile d'ife, première bagarre à faire, après le nez bien coloré puis en dedans pas cuit. Si je pas virer de temps en temps aussi, un côté qui plus cuit qu'on l'autre côté. C'est ça que fait à chaque 30 secondes moi virer lui pour qu'à faire les gon cuisson uniforme.
qu'on a là, c'est prêt là. Regarde-moi, c'est bien beau. Partout, les deux côtés, c'est même bagage. Ils ont cuisson uniforme. Belle coloration, c'est vraiment beau. Il ressemble avec un pâté. C'est très important pour me dire nous. Pour 4 tasses de l'autre, on me mettre seulement un quart de tasse de farine. Non, c'est ça pour mettre. Parce que si on mette un pile de farine là-dedans, la 20 ans, son pâté collé ou à manger. Il y a un bras le boucher. Si la farine, on mette à faire coller ensemble pour le venir parfait comme ça. Mais le résultat final là, c'est parfait, regarde. C'est beau. C'est parfait, regarde. Les deux côtés. Qu'on a là, je vais venir casser pour me goûter et puis pour nous voir qui j'en sorti tout. Pour me casser là, même avec un pâté. Regarde. C'est parfait. Regarde-moi ça. C'est excellent. On goûte ça. C'est très, 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 très bon. Pas oublier de partager la vidéo pour moi et puis me demander de nous à le pratiquer. Là, parce que ça, vraiment, nous devons pratiquer. Parce que c'est l'autre façon de montrer nous capables de transformer les produits locaux. Nous. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédolin dit, votre chef à la maison qui est entré à la canne. Merci. Au revoir.